t'a demandé la recette. C'est grâce à elle qu'on fait la recette aujourd'hui de gâteau. Bravo! Bon anniversaire! Voilà, bon anniversaire. Allez, on se prépare les ingrédients. La tête, on s'en fout. Hop là, on repasse en plan de travail. Donc, en ingrédients, on a les noix de cajou. Hop là. Mais ça, ce n'est pas le premier ingrédient. Est-ce que tu as des amandes, des noisettes pour faire la pâte? Du coup, est-ce qu'on les ébouillante, nous, Christine? Non, là, on va faire la pâte, là, donc on ne va pas ébouillanter. Ok. Et les noix de cajou, tu ne les as pas fait gonfler? Non. C'est les noix de cajou que tu veux ébouillanter? Ouais. Bah ouais, alors. Un peu. Les amandes aussi, je les ai fait tremper. Il ne fallait pas les faire tremper, Christine? Non, ce n'était pas obligatoire. D'accord. Donc, moi, je vais mettre moitié noisette, moitié amande. Et comme j'ai un plat de 8 personnes, je vais faire un peu plus que 100 grammes parce que sinon, ça va être limite. Dans un moule à manquer, ça va? Il est comment ton moule à manquer? Ben, c'est un moule à manquer. Ben oui, non, tu as des 20, des 25. Ouais, c'est un 25 celui-là. Famille nombreuse. C'est trop technique. Pourquoi tu veux mesurer un moule à gâteau? Je ne comprends pas. Ben parce que tu as des moules à gâteau pour 4 personnes, des moules à gâteau pour 6 personnes, des moules à gâteau pour 8. C'est un grand. Non, mais ça, chez nous, ça ne veut rien dire. Un gilou, il mange tout de toute façon. Ben ouais. Donc, de toute façon, ça doit être un 25-26 centimes. Donc, tu mets au moins 150 grammes d'amandes ou noisettes ou noix là, pour la pâte. Ouais, c'est... Dis-moi, elle crapahute encore plus maintenant. Elle monte même sur la table. Toujours aussi chippy. Oh, tu me fais les gros yeux. Alors, qu'est-ce que vous faites, les filles? Est-ce que vous avez préparé vos noisettes ou vos amandes? Racontez-moi. Allez, vous avez le droit d'ouvrir les micros. Hein, c'est un appel pour les enfants. On a préparé des cookies. Vous avez préparé des cookies? Oui. D'accord. Et là, tu vas préparer un gâteau? Oui. On n'a pas fait. Mais on va le faire, là. Maintenant, on va le faire, là, ensemble. Ma soeur, elle va aussi faire. Ouais, je sais qu'elle aime bien faire. En plus, je vais mettre ça. Je vois tout. Alors, vous mettez les amandes ou les noisettes dans le blender et vous mettez les dates. Pourquoi les amandes? Première pointe de date. Autant que tu as mis d'amandes ou de noix. Et alors attends, je vais mettre la caméra. Voilà. Donc tu mets. Donc moi j'ai mis moitié noisette, moitié amande parce que j'en ai pas assez d'amandes en grammes. D'accord. Et je mets. Donc moi j'ai mis 150, mais après. Vous pouvez mettre 100 et je mets 150 grammes de dattes. D'accord? C'est mélangé avec les noisettes, hein, c'est ça les dattes? Oui, tout à fait, dans ton blender. Donc un blender avec un bon couteau. Hein. Pourquoi tu me montres le sirop d'érable? Tu voulais me poser une question sur le sirop d'érable? Alors, je me souviens d'Emma, mais je ne me souviens plus de son prénom. Non, c'est Molly qui joue. C'est juste Molly qui joue. Avec les ingrédients. D'accord. Ok. Vous commencez par la pâte? Oui, oui, oui. Super. Caroline, c'est bon? Est-ce que Jo, c'est bon? Attends, je vais enlever le micro, sinon on va... Un bec, d'accord. Sophie, tu t'en sors? Caroline, elle a l'habitude. Donc, voilà, super, nickel. Je vais couper le son pour mixer. Chez Catherine, c'est bon? Yes, cool.
Et Fred nous a rejoints. Oui, je suis un peu à la bourre. Vous venez de commencer là parce que ouais, on a juste mis... Tu as les ingrédients sous les yeux ou pas? Ah, ils sont dans la cuisine, ouais, mais il faut que je cours pour y aller. Ah oui, tu n'as pas la caméra dans la cuisine? Non, je n'ai pas assez de place dans la cuisine. D'accord. Est-ce que tu fais la recette en même temps ou tu la feras après? Ben, je l'aurais fait en même temps, mais c'est pour ça que je regarde et je cours vite là-bas. D'accord, ok. Alors, donc, tu mets tes amandes et tes dattes pour faire la pâte d'abord. Ok, amandes et pâtes. Voilà, 100 g d'amandes, 100 g de dattes. De dattes pour faire la pâte. Ouais. Moi, elles ne sont pas dénoyautées, c'est pas grave. Ben, si, enlève les noyaux, c'est mieux. Hein. Dans le robot, ça passe mieux. Et qui c'est qui nous a rejoint? Mais c'est Sylvie. Bonjour Sylvie. Et Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Ça va les filles? Ça va et vous? Ça va les enfants? T'as vu qu'il y a plein d'enfants? Hein, t'es gâtée aujourd'hui. Je sais, ah oui. Ah ben, joyeux anniversaire à un petit qui sait son anniversaire. Je ne sais pas lequel. C'est qui est son anniversaire? Je cherche une petite fille qui a des oreilles. Ah, elle est là. Derrière. Moi aussi, j'ai une petite qui fait son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Une petite, non, une grande. Elle a quel âge? Elle fait aujourd'hui 17. Ah oui, elle est grande. Alors, si tu dis qu'elle est petite, elle ne va pas aimer. Hein. À cet âge-là, ils aiment bien être grands. Hein. Alors, ouais. J'en ai une aussi, elle a 36. Ah, mais c'est l'anniversaire de plein de monde aujourd'hui. Alors, regardez. J'ai mis les noisettes et les dattes et je vais aller les mixer pour faire la pâte, d'accord? Et moi, je vais la protéiner un tout petit peu plus. Je vais ajouter de la peau. C'est assez. Du coup, tu en mets combien de la provin? Ben, là, je fais pour 4, donc je vais mettre 4 doses. Vas-y, c'est qui pose une question? C'est Molly? C'est assez. Oui. Est-ce que c'est assez mixé? Non. Encore un petit peu plus si tu y arrives. Et si tu... Emma, si c'est trop épais, que ça n'arrive pas avec le robot, tu mets un petit peu d'eau. Okay. Tu peux mettre une pointe d'eau. Pas trop, parce que sinon, okay, ça sèche. Alors ça va faire du bruit, hein. Alors, regardez ce que ça donne. Donc, ça donne une pâte qui est un peu comme une pâte sablée. Ça va pour vous? Tout le monde voit? Super. En fait, vous savez, les cheesecakes, normalement, c'est juste des biscuits qui sont écrasés avec de la matière grasse. Et là, pour faire le gras, nous, on a le gras des noisettes et on a le gras des dattes medjool. Elles ne sont pas grasses au niveau nutritionnel, mais au niveau texture. Alors, regardez les enfants, on met les doigts dedans. Regarde, madame, ce qu'on fait. Regarde, on a la main qui est mouillée et on vient ici aplatir. Attends, il en a, je vais te mettre l'oreille. Parce que si votre main elle n'est pas mouillée, eh bien ça va coller à votre main au lieu de coller au fond du plat. Tu tasses bien, tu tasses dans le fond. Attends. Comment c'est votre prénom? Tu me demandes mon prénom?
Oui. Christine. Delphine, d'accord. Destine. Mais non, pas Destine, Delphine. Christine. Oh, Christine. On avait compris Delphine. D'accord. Et donc, souvent, on m'appelle Cricri avec les enfants. Cricri, ah bah. Voilà, bien. Les ateliers des enfants, quand c'était en direct, c'était les ateliers de Cricri. Voilà. Tu vas platiquer. Oui, mais regarde comment elle fait Cricri. Là, tu fais que les petites boules. Ah, mais regarde, la table, elle est un peu haute pour elle. Monte sur une chaise. Voilà, mets-toi un genou. Attends. Regarde, tu vois? Oui. Voilà. T'appuies, regarde. Ouais, bien. Super. Vas-y. Alors, mets du blender. Ouais, il est beau là. Il est bien. Vas-y, mets du blender dans ton plat. Ouais. C'est pas bon ça encore. Bah si, ça m'a l'air mieux. Hein. C'est très gros ou c'est. Enfin, de là sur la caméra, on dirait des petits morceaux. Ouais, il y a encore un peu des gros quand même dedans. Ah, alors mixe un petit peu. Déjà, de là, de, par rapport à tout à l'heure, ça fait petit. On va faire ça encore deux secondes. Ouais. Regarde, tu vois ma puce, ça fait des morceaux quand même de noisettes. Hein. Oui. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et quand vous l'avez bien aplati, vous voyez, elle tient. Hein. Dans le plat. Ça va, Myrtille? On s'est trompé de moule. Mais non, c'est ah non, tu l'as fait dans quoi? On n'a pas un moule à la ceinture. Là. Mais c'est pas grave. Non, mais par exemple, comment il. Ah non, finalement, il le fait. J'allais dire, Jules, il le fait dans un moule à cake. Mais non, Jules, il le fait dans un moule comme moi, finalement. C'est bon, on va changer. On a un moule à ceinture. Eh, on a atterri dans la cuisine à Fred. Ah non, c'est Fred qui cuisine dans son salon. C'est bien. Madame. Yes, bravo. Si Myrtille mange pas tout. Mais oui, mais c'est fait pour mettre les mains. Alors, une fois que vous l'avez bien tassé dans le fond, on va le mettre au frigo. D'accord. Au frigo. Oui, on va le mettre. C'est bon. Parce qu'on va s'occuper de la crème. Ah, Anne-Sophie, c'est passé. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Donc déjà, si vous aviez mis vos noix de cajou dans l'eau, on va les égoutter. J'ai une question. Vas-y. On n'a pas trouvé de fraises. On a des fruits rouges ou des framboises? Bah écoute, moi, j'ai pas de fraises non plus. J'ai des fruits rouges. Alors, fruits rouges. Mais Dieu. Demande aux enfants, c'est eux qui vont me dire. Donc, 250 g de noix de cajou que vous avez fait tremper la veille. Et si vous n'avez pas fait tremper la veille, vous les mettez dans l'eau chaude. Ensuite, 3 citrons. Alors, moi, j'ai pressé. 3 citrons. 1, 2, 3. Vous en sortez? Maman, elle se bat avec les moules. Maman, elle se bat avec les moules. Bon. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas cuisiner. Ouais, c'est bon. On ne fait pas la cuisine. Hein. Elle a fini de se battre. Bon, ça va. Alors. On les égoutte, les noix de cajou, et après, on les met dans le blender, c'est ça? Ouais, on va les mettre dans le blender avec le jus de citron, 120 g d'huile de coco, 120 g de sirop d'érable. Ouais, t'as pas de l'air. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez que je réponde qui n'ont pas été. Qui sont sans réponse ou est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, le blender. Attends,
Le jus de citron, vas-y, mets le jus. C'est Alexis qui est super excité. Ah oui, il adore faire les gâteaux. C'est bien, t'as raison, mon bonhomme. Je suis en train de me demander si j'ai du sirop d'érable. Alors, pour ceux qui mangent du miel, vous pouvez vous servir de miel parce que c'est aussi très bon dans le cheesecake. Voilà, donc moi, mon sirop d'érable, il a du sirop d'érable. Ah non, il est là. Hop là. Vous battez pas, de toute façon, quand le gâteau sera fait, il faudra le manger. Non, mais leur plaisir, c'est de manger pendant qu'on fait le gâteau. Ben, je sais, c'est le plaisir de tous les enfants. C'est pour ça que quand je fais les ateliers en direct, il y a toujours plus que la recette. Merci, tu avais une question ? Non. T'as pas touché avant. Juste là, du coup, on est en retard. Vous avez battu ? Du coup, il faut mettre quoi ? Bon, un jus de citron. Alors, on prépare déjà tes ingrédients. Est-ce que tu as tes noix de cajou ? Oui. Ton huile de coco ? Bouillanté. D'accord. Ton jus de citron ? Enfin, le jus de trois jus de citron ? On va le faire. Donc, ça fait... Ça doit faire un bon 80 millilitres, peut-être. Christine, on a le même sirop d'érable. Oh, là, regarde. On est potes. Ouais. Et tu sais quoi ? Si un jour on y va, eh ben, tous les potes iront. Et huile de coco, on a dit qu'est-ce qu'il fallait ? Des fraises congelées et de l'agar agar. Alors, on va y aller par étapes, on ne va pas tout mélanger. Alors, on va couper. D'accord, on va d'abord faire la crème. Et pour faire la crème, on va mettre nos noix de cajou égouttées. Alors, on va faire le citron. Alors, ce qui est bien quand elles ont été faites de la veille, c'est qu'elles ont plus que triplé de volume. Et même si vous les achetez crues, où est-ce qu'elles sont, mes noix de cajou, que je vous montre. Alors, est-ce que vous êtes tous devant votre caméra, les enfants? Je vais vous montrer un truc. Oui. Hop. Alors, regardez. Ça, c'est une noix de cajou crue, comme on l'achète dans le magasin. D'accord? Et ça, c'est une noix de cajou qui a gonflé. Et regardez, qu'est-ce que c'est, ça? Elle a poussé, elle va pousser dans notre ventre. Qu'est-ce qu'elle dit comme bêtise ? C'est un germe, effectivement. Regardez, quand vous avez des noix crues et que vous les faites gonfler au moins 24 heures, vous avez le germe qui pousse. Et ça, c'est de la protéine. Eh bien, ça va vous faire les muscles, les enfants. Vous allez avoir des gros muscles. Et les papas et les mamans, c'est ce qui va vous faire perdre la graisse. Donc, c'est top. Allez, on met nos noix de cajou. Non, pas la sèche. Ça, c'est après. La gare, c'est après. C'est petit. Oui, c'est après. Mélange pas tout en même temps. Oui. D'abord, tes noix de cajou. Voilà. D'accord ? Tu me suis jusque-là ? Oui. OK. Une fois qu'on a mis dans le mixeur les noix de cajou, on va y ajouter le sirop d'érable, le jus de citron. Ah, vous voulez que je vous pèse combien ça fait le jus de trois citrons pour avoir un poids ? Et l'huile de coco aussi ou pas ? L'huile de coco, oui, 120 grammes, oui, tout à fait. OK. Alors, le jus de citron. Wow. Je vous avais dit qu'il y avait combien de millilitres ? 80 millilitres et ça fait 100 grammes. Ok, allez, on range. On fait la mesure. Viens faire le gâteau. Est-ce que tu t'en sors, Jules ? Viens faire le gâteau avec moi. J'entends plus, Jules. Oui ? Est-ce que tu t'en sors ? Oui.
Oui, j'en ai où là? Je suis en train de presser les citrons. D'accord, vas-y, presse tes citrons. Non, mais nous, on l'a déjà fait. C'est tout bon? Ouais. Christine, l'huile de coco, faut la faire fondre ou pas? Non, tu la mets comme ça. Ah bah vraiment. C'est combien l'huile de coco? Alors, moi, 120 grammes. Je fais la recette comme je l'ai mise. 120 grammes. C'est cool de faire l'atelier avec mamie, Jules. Ça change? Maman, elle a repris le boulot? Ah, elle est en télétravail. D'accord. Alors, 120 grammes d'huile de coco. On y est. 120 grammes. Donc, moi, je vous disais, je mets du sirop d'érable, mais c'est vous qui choisissez si vous avez envie de mettre du miel, du sirop d'agave, du... je ne sais pas, aidez-moi, qu'est-ce qu'il y a aussi? L'autre jour, j'ai vu du sirop de coco. Mais c'est mieux liquide, en tout cas. D'accord? Évitez le sirop de maïs, parce que ça, c'est super, super bien pour prendre du poids. Donc là, tu en mets combien du sirop d'érable? 120. 120 grammes. Ok. Et pour la crème, c'est tout. Si vous voulez le garder blanc, c'est tout. Si vous voulez le faire rose, vous pouvez mettre un petit peu de framboise ou un petit peu de fraise ou de fin. Mais sinon, c'est tout. Neutre, elle est comme ça, la crème. D'accord. D'accord. Tu vas décorer tes... Ouais, tu vas le décorer avec tes fraises. Donc, moi, ils veulent chocolat blanc, framboise. Donc, bah, chocolat blanc, framboise. Je ne suis pas contrariante. Hein. Voilà. Je mets 4 doses. Et on va blender. Alors, on va blender progressif. Parce qu'il faut que tout soit bien blendé. Donc, d'abord, on met doucement pour casser la noix. Et puis, on va de plus en plus fort progressivement. Sur mon thermomix, je vais jusqu'à 6 et presque une minute. Mais il ne faut pas que ça chauffe. D'accord? On doit mettre de l'agar agar. Attends, elle est bon. On doit mettre de l'agar agar. C'est pour après avec les framboises, l'agar agar. Elle va te répondre après, ma chérie, parce qu'elle est en train de blender sa petite pâte. Je pense que l'agar agar, ce sera juste après. Merci. Thank you.
Est-ce que tout le monde a réussi à faire sa crème? Oui, c'est cool. Oui, c'est bon. Et c'est trop bon. Ah, t'as raison. C'est trop bon. Mais... Ah, désolé, il y avait le son. Alors, regardez. Christine, pendant que tu avais ton blender, il y a une petite. Alors, je sais pas. Qui c'est qui a posé la question pour la agar-agar? C'est Emmanuel? Oui. Voilà. C'est quoi ta question? Redemande. Il fallait de l'agar-agar. Ah, pas dans la crème. Hein. L'agar-agar. On va l'agar-agar, on va le mettre avec tes fraises ou tes framboises ou tes fruits rouges, je ne sais pas ce que tu as pris, qu'on va mixer avec, et qu'on va faire chauffer. D'accord. Là, tu as une crème comme ça? Oui. Oui. Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu as mis dedans? Des fraises? Non, j'ai mis des framboises. Des framboises. Tu en as gardé pour le dessus? Oui. Super. Alors, on ressort. Je l'accueille, maman. Il faut les mettre au frigo. Et on va faire couler notre crème sur le gâteau. Couler notre crème sur le gâteau. Molly, elle aime bien. Donc, on fait couler. Ce qui s'appelle le cheese. Même si nous, on l'a fait sans fromage. Sur le gâteau. Je vais le sur le gâteau. Alors, qui c'est qui trouve que c'est bon déjà avant que ce soit fini? C'est trop bon. Trop bon. Vous avez goûté? Citron, là. Comment? Non, je n'ai pas goûté. Je ne veux pas goûter. Oui. La pâte, là. Quelle pâte? Oui. J'ai pas compris. Regarde ma pâte, elle est bonne ou? Attends, attends, je te vois pas. Je dirais qu'elle est pas assez liquide. Vas-y. Est-ce qu'elle est, elle est bien mixée, elle est crémeuse? Elle est pas crémeuse, elle est. Bah, elle est crémeuse. Oui. Bon. Goûte avec ton doigt. Attends, tu vas goûter dans le blender. Ben, goûte déjà d'eau. Allez, goûte. Oh, t'as pas envie de mettre la main. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Oui. Alors, après, on la met sur la pâte et on l'étale. C'est bon, c'est parfait. On étale. Oh, je l'ai fait déjà. On étale. Voilà. Ok. Donc, à la spatule, on peut faire des dessins ou on peut juste lisser et être régulier. C'est là. Et vous le faites le plus plat possible, les enfants, parce que dessus, on va faire couler le coulis. C'est là que les enfants révèlent leur âme d'artiste.
et qui vont nous faire des œuvres d'art. Voilà, c'est bon. Mais c'est bon, c'est parce qu'elle a pas fini. C'est tout bon? Alors, une fois que le gâteau est défait, on nettoie bien les bords et on va le mettre au frigo pendant qu'on fait le coulis. Les bords, là, regarde. Non, regarde, je suis enrhumée là. Donc, je vais rincer mon blender parce que si je mixe mes framboises avec le blender où il y a la crème, ça ne va pas faire un beau coulis bien transparent. D'accord ? Donc, je le fais bien propre. Mais c'est un cutter qu'il y a dedans. Donc, je préfère que ce soit les parents qui lavent le cutter. D'accord ? C'est un peu dangereux pour les doigts au centre. Alors, c'est bon. Oui, on va mettre des fraises, t'inquiète pas. Tu veux manger une fraise? Oui, mais on va la garder. La décoration. Attends, il faut démouler. Attends, je suis en train de laver le blender avec l'eau, je n'entends pas. Laisse Suzy conduire. Ton gâteau, tiens. De quoi, tiens? Alors, vas-y, pose-moi ta question. Est-ce qu'il faut démouler le plat avant de le mettre au frigo? Non, 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 tu le mets. Non, sinon il va tomber alors qu'il n'est pas encore pris. Ah, c'est mieux quand c'est Christine qui le dit. Mais tu savais pas encore ça, Alex? Ah non, merci Christine. Alors, vous mettez dans votre blender propre. 228 grammes de fraises. Oui, bravo. On va les manger. Bah non, t'as dit qu'il n'y a pas les manger. Oh, gourmande. On met la gare à gare. Attends. Ou pas? Attends. Ça chauffe, ça, je crois, non? Ah oui. Donc, écoute et attends. Eh bien, moi, le paquet, il a été ouvert aussi, à l'insu de mon plein gré. On le coupe ou pas? Qu'est-ce que tu dis, Jules? On coupe les fraises. Tu m'as posé une question, Jules? Non, c'est Lana. Non, c'est Lana. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? Lana. On coupe les fraises. Non, tu les mets dans le blender. Et puis, on va mettre un petit peu d'eau chaude avec les 2 grammes d'agar-agar. Sophie? Combien tu en mets de fruits? J'ai mis 200 grammes. 200 grammes? Oui, j'ai mis 200 grammes. En fait, plus vous mettez de fruits, plus la couche de gel rouge sur le dessus sera épaisse. Donc, à côté de vos fruits rouges, dans une casserole, vous mettez 10 ml d'eau, c'est pas grand chose, hein? 10 ml d'eau chaude ou d'eau froide, peu importe. On doit mettre 10 ml d'eau? Ouais, ça fait. Je vais te montrer ce que ça fait. Oui. Attends, je suis en train de chercher la gare.
C'est moi, c'est l'équivalent de mon petit gobelet là. Donc, ouais, c'est vraiment pas grand chose. Hein. C'est pas 10 millilitres, pardon, c'est 50 millilitres. Ça fait 50 grammes sur ta balance. D'accord, merci. Je t'en prie. Oui. C'est combien de quoi, Jules? De fer. Alors, moi, j'ai mis 200 grammes, mais c'est au moins 150 grammes. Alors, c'est un paquet de 750. Alors, j'ai pas suivi l'eau. Tu en mets combien? 50 millilitres, 50 grammes. 50 grammes. Oups, voilà, il y a beaucoup trop de choses. L'agar-agar, 2 grammes. C'est la micro-précision. 2 grammes, ça fait l'équivalent de 2 milliards à café. L'agar-agar, on le met dans l'eau, Christine? Oui, donc de l'eau, l'agar-agar en poudre. Et on va faire bouillir l'eau. D'accord? Il faut faire chauffer l'eau pour qu'elle boue. Et quand elle boue, des bulles, tu comptes une minute. Alors ça, c'est important parce que sinon, vos framboises ne vont pas gélifier. C'est bon. Donc, 50 grammes d'eau. Et puis, ben, elle est bien sale, ma cassette. 50 grammes d'eau et 2 grammes d'agar-agar. Il faut que ça boue. Non. Il faut que ça boue. Et quand ça boue, vous comptez une minute. C'est bon? Ok. J'aime pas parce que t'es fait seule maintenant. Ça bouille maintenant. C'est pas fou. Bah, des petits gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14. Est-ce qu'il y a des questions pendant que ça chauffe? Et après, on va devoir faire chauffer pendant une minute. Voilà, une minute, super. Et t'as entendu la madame? Bah oui, c'est la madame. Hop, et là, c'est moi qui va mettre. Oui. Caroline, tu t'en sors? J'ai gardé quelques fraises entières pour mettre dessus. Oui, tu laisses bouillir vraiment pendant une minute? Il faut que ça boue pendant une minute, oui. Parce que le principe gélifiant de l'algue ne fonctionnera qu'après une minute d'ébullition. D'accord? Et puis après, tu mets sur tes fruits et tu blends. Ok. Donne la mouche. Le truc que tu peux voir. Oui. Oh, les cuisiniers. Voilà, regardez, ça vous fait un jus très sirupeux. Ça fait très épais et très sirupeux. Ça fait... C'est flasque, quoi.
Fallait mettre au blender. Oui. Une fois que ton agar-agar il est bouilli, tu rajoutes les fraises et tu blendes. D'accord. C'est trop épais avec les fraises, tu peux en mettre une goutte d'eau, mais vraiment léger. Hein. Parce que le but, c'est que ça vérifie. C'est tout ça. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au final. Hop, je lave ça, ça. Elle a montré ça. Tu mets l'agar-agar dans les fruits mixés. On mixe combien de temps? Oh ben, regarde, moi j'ai mis à peine 10 secondes pour que ça te fasse ça. Une espèce de purée de fruits. Tu vois là avec la lumière? Une purée de fruits un peu liquide qui va solidifier avec l'agar-agar. Nous, ça ne nous fait pas une purée de fruits. Maman, elle doit reblinder. Ah, alors remets un petit peu d'eau chaude, ma belle. Si c'est trop épais, tu sais, des fois les fraises, quand elles sont denses, elles ont beaucoup de chair, eh bien, ça fait plutôt une purée qu'une gelée comme ça. Donc, tu mets un peu plus d'eau. D'accord. Et de l'eau chaude, hein, de l'eau chaude, parce que sinon ton agar-agar, il va figer. Non, mais il y a encore des gros bouts. D'accord. Alors, regardez, je vous montre comment on fait les enfants. On part du centre et on vient faire un escargot. Voilà, et après, on va faire glisser tout simplement le coulis de partout. En faisant tourner le gâteau, s'il est en rond, ou en allant d'avant en arrière, s'il est en long. Ça dépend ce que vous avez voulu faire. Alors, Elana, est-ce qu'un gâteau rouge comme ça, ça ressemble à un gâteau d'anniversaire? Attends. Laisse. Non, c'est une mayonnaise. Oui. Ça te plaît? Ça te plaît comme oui. Gâteau? Bon. Et merci. Mais de rien, ma puce, de rien. Merci à toi d'avoir donné l'idée. Nous, ça nous fait plus une mayonnaise qu'une purée, en fait. Une mayonnaise. Ah, alors c'est parce que l'agar-agar a bouilli plus qu'une minute, peut-être. Mais tu peux mettre une goutte d'eau chaude et ça va te le liquéfier un petit peu plus. Mais c'est bien aussi, hein, parce que ça tiendra mieux sur le gâteau. Non, en fait, ça ne veut pas couler, quoi. Parce qu'elle est fort épaisse. Bah, tu vas à la cuillère, tu prends à la cuillère et tu fais un escargot, puis après tu mouilles le dos de ta cuillère et tu tournes comme ça. Okay. C'est bon pour toi, Myrtille? T'as compris ce que je voulais t'expliquer? Oui.
Super. Alors, normalement, maintenant, il faut aller le mettre au moins une heure au frigo pour que ça gélifie bien avant de le démouler. Mais je vais vous montrer comment j'avais décoré les petites images. Vous vous souvenez ? Enfin, pour ceux qui ont vu les photos. Il y en a qui m'ont dit que j'avais mis du chocolat. Mais je n'ai pas mis du chocolat. J'ai mis des copeaux de... Hop là, est-ce qu'on voit avec la lumière ? Amande ! Non. C'est quoi? Ah, des amandes. Non, c'est pas des amandes, regarde. C'est de la noix. La noix de coco. Voilà, des morceaux de noix de coco. D'accord? Des copeaux de coco. C'est de la noix de café. C'est Molly qui parle. Oui. Elle donne son avis sur la recette que vous êtes en train de réaliser, savoir si ça va être bien ou pas. Non, tu mets pas de la recette. C'est compliqué, quoi. On va voir si elle aime. Je suis encore pas sûre. Alors, qui c'est qu'on a sur l'appel? Elana, est-ce que tu t'en es sortie? Est-ce que vous êtes au coulis? Mais pas comme ça. Regarde, ça tremble. Ah, super, oui. Ouais, c'est joli. Jolie purée. En fait, là, il y en a trop, mais là, il n'y en a pas assez. Je crois que c'est ça. Mais non. Après, qui c'est que je vois faire Fred, t'en es où? Ouais, le coulis, super. Nickel. Et donc... Vas-y. Il est en train de racler quoi, là, en fait? Non, c'est juste qu'il est un petit peu épais, moi, mon coulis. Ah, d'accord. Donc, tu l'as liquéfié avec de l'eau chaude? Non, j'ai fait la connerie de remettre un peu d'eau froide vite fait, mais... Ça est encore pire. Oui, ça va figer. Eh oui, mais parce que, ouais. Puis en plus, j'avais pas d'agar-agar, j'ai mis de la pectine, mais... Ah, oui. Par contre, on mélange. Voilà, ça va faire. Mais c'est pas grave, tu remets un peu d'eau chaude, ça va le diluer. Et notre ami Jules? Bon, ça va couler, c'est bon. Oui. T'en es où, Jules? Dis-moi tout. Ah, ton micro, il est coupé, mon chéri. Yes. Là, je vais couler mon coulis. Tu vas couler ton coulis dessus. D'accord, ok. Donc, c'est fini pour toi aussi. Et après, c'est déco, hein. Après, c'est ton œuvre artistique, hein. C'est toi qui nous le fais. Mais il est debout, là. Tout à fait, Niki. Tu fais la déco maintenant ou tu fais la déco quand tu vas le sortir? Moi, je fais la déco maintenant parce que quand je vais le sortir, ce sera l'heure de manger et je n'aurai pas le temps de le faire. Ça va. Mets les doigts. Et puis, en général, quand tu fais un atelier avec les enfants, si tu leur dis « revenez dans deux jours pour faire la déco », mais applique-toi, là. Oh. C'est pas drôle. On dirait des filles. Qu'est-ce qu'il y a? On est toutes dans l'élégance, non? Ouais, je vois ça. On dirait quoi? Ah, allez, Alex. Ah, c'est t'as une myrtille, qui te fait des régalades. Alors, ah bah oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est sûr, je me régalade avec elle. Voilà. On dirait quoi? Des régalades, c'est vrai que t'avais raison. Voilà, ça existe. Mais non, ça n'existe pas. Bah, si, ça a été inventé samedi 15 janvier. Ou... par Myrtille Pélissier. C'est entré dans le dictionnaire ce jour-là. Je rigole pas. Mais moi non plus, je rigole pas. Je suis très sérieuse. J'ai trouvé que c'était un mot extra. Ah oui. Ah ouais. D'abord, je me suis même demandé si au lieu de dire « cooking kids », on dirait pas « régalade en live ». Parce que j'ai trouvé que c'était une super invention. À se foutre moi. Mais non, je suis très sérieuse. Je vais t'envoyer toute seule qu'elle me sent. Avec plaisir.
Allez, mettez menhir là. Myrti, t'as oublié que quand j'étais en Suisse, je faisais beaucoup d'ateliers à l'école avec les enfants. En Suisse? Ouais. Ah ouais, j'ai fait aussi la Suisse, entre autres pays. Avant l'Espagne. C'est n'importe quoi. C'est en tout cas, c'est le meilleur cooking qu'on a fait. En effet. Ah bon? Bon, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On est trop fiers de nous. Laisse-le au milieu. Non, c'est pas beau. Lequel est tombé? Non, mais de la noix de coco. Est-ce que les autres loulous, ils s'éclatent? Mais maman. On éclate parce que ta lion, elle aime pas. Je voulais pas mettre là, je voulais mettre non, là. Non, mais là. De bas, de bas. Impose-toi sans te battre. Non, mais elle veut mettre de la noix de coco. Mais ta lion, c'est quoi là? Talion, il n'aime pas la noix de coco. Mais alors, c'est pas lui qui. Ah, bah il enlèvera, c'est que de la déco. Ouais, mais il n'aime pas. Non, il n'aime pas. Oh, wow. Tu fais une part sans noix de coco. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Allez, têtu. Ouais, comme toi. Ah ouais. Bon. Comme ça, tu fais moitié. Tu fais moitié de convention en coco. Elle s'éclate à faire la déco. Non, mais elle a raison, écoute Sylvie, ce qu'elle te dit comme conseil. Tu fais la moitié du gâteau décoration de coco et l'autre avec ce que le petit il aime. Allez, voilà. Regarde, Christine, regarde le gâteau de Laura, il est trop beau. Vendu. Alors, je te vois pas. Et où? Mais pourquoi j'ai pas Sophie? Elle est où? Il y avait, toi, tu nous as pas. Oui, tu as perdu. Trop beau. Oh, je veux une photo. Je veux une photo. Ça fait tout. Non, c'est bon. Fais tout. Avant qu'il soit mangé, je veux une photo. Fais-le. Non, c'est alors, bon, tu vois, Myrti, tu m'as fait penser que Florian, il n'aimait pas la noix de coco. Parce que nous, on est 6, mais sur les 6, tout le monde ne mange pas pareil. L'amour. Ça va, il te plaît? Ça va. Bah oui. Elle dégénère, là. Voilà. Elle est contente. Le gâteau est bien. C'est bien. Exprime-toi. Allez, pour ranger la cuisine maintenant. Alors, tout le monde est arrivé à la fin de son gâteau. Et Lana, t'en es où? Je mets les noix de coco. Attends, on va lui mettre. Tu mets des noix de coco, d'accord. Voyez? Christine, regarde. Oui, bravo. Oui, c'est joli comme tout aussi. Ça fait un beau miroir. Attends, j'ai pas pris une photo. Après, du côté de chez Emmanuel, comment ça va? Oh, puis alors, elles en ont fait deux avec un joli bonhomme. Superbe. Bah, elles en ont deux chacune. Il y en a déjà deux dans le frigo. Ah, bravo. On a des artistes, c'est bien. Tu m'envoies une photo aussi, Emmanuel? Oui. Super. Caroline, tu t'en es sortie? Oui. Regardez le joli gâteau de Caroline aussi, en cœur. Alors Caroline, elle est forte, hein, elle a fait son propre gâteau d'anniversaire, comme Elana. Allez, on va partager en grand, vous allez tous me montrer vos photos. Allez, tout le monde me montre, on fait une photo là, c'est trop bien. C'est Molly qui s'est habillée toute seule. Oui. C'est bien ma pute, t'es grande maintenant. Allez, montrez-moi tous vos gâteaux, là. Ouais, regardez les belles œuvres. Et Jules, tu me montres ton gâteau, Jules? Et Jo? Oh là là, c'est bon. Ouais, super, Jo. Allez, il me manque Jules. C'est pas grave s'il n'est pas fini. C'est juste pour montrer que tu l'as fait. Ouais, top. Allez, attention, tu baisses la caméra. Oui, mais c'est joli comme tout aussi. Wow. Allez, tu montres Jo, le tien. Fred, il est où? Fred, il est encore dans la... Ah, si, il va aller partir le rechercher. Yes. Tu as pris en photo, Laura. Allez, Laura, allez, attention. Un, deux, trois, photo. Trop bien. Super, trop bien.
Bravo. Alors, frigo, et on attend presque une heure hein, pour que le dessus gélifie. D'accord. Je vous souhaite une belle après-midi. Je ne sais pas encore ce qu'on fera la semaine prochaine. Je n'ai pas d'idée. Si vous avez des idées, les enfants, vous me dites. Une super idée pour aujourd'hui, en tout cas. Hein. Bravo à la petite. Ouais. Ouais, de rien. Ah, je ne sais plus, l'autre jour, on m'a dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des variétés de cookies. Si vous voulez, on fait des cookies. Ah oui, ça serait bien. Une bonne idée, les cookies. Bonne idée, les cookies. Allez, alors, la semaine prochaine, les cookies. Ah, sinon, les gâteaux que tu m'as amené là, qui étaient trop bons. Ah, ben, on peut partir pour une base de cookies et puis les faire dévier à l'originalité chocolat. C'est creux. Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Bon après-midi. Bisous. Bravo les enfants. Christine. Oui. Bisous. Ça va être des cookies crus? Non, des cookies cuits. Non, on n'est pas sur l'atelier cru, là, on est sur l'atelier des enfants, donc je fais cuit aussi. Là, c'était exceptionnel. Ça marche, Myrtille? Ok. Bisous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bon après-midi, bon anniversaire Elina encore. Ciao.